tout se passe bien, tout se passe très bien. Mais dis donc, ce serait pas la fin du niveau. Alors, réfléchissement, Jean-Pierre, on garde mon truc, ouais. Quand les flammes, ça va être bien chiaton. Oui, les flammes. Crever tout seul les mecs là, c'est carrément dans les flammes, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, je l'ai raté. Là par contre, je joue en flamme, c'est pas cool. Il s'est barré. Mais faites chier, pourquoi ça marche pas? Ah, j'ai plus de mana, je suis con. Eh oui. Allez, crève dans ton coin. Nickel. Pas évident. Mais j'ai fini le donjon de la tôle. La grosse tôle. J'aurais bien aimé la finir en une vidéo. J'étais à deux doigts. C'est dommage. Il ne me manquait pas grand-chose. Mais toujours et encore, ce problème de... Une heure de vidéo sur PlayStation 5, une honte, je vous dis, une honte. Bon. Non, mais c'est bon. On se barre. Ouch. Regarde où tu vas. Tu sais pas qu'il y a une guilde des voleurs dans le coin? La prochaine fois que tu rentreras dans quelqu'un, tu t'en sortiras peut-être pas si bon compte, toi et... Enfin... À plus tard. Arrête pas de nous en parler, hein. Bizarre... C'est l'air sympa. Je vais jouer le Candide. Ah non, là c'est des étoiles, elles ont disparu, d'accord. Dans votre poche, je vais trouver une note, elle indique... Tu veux revoir tes étoiles, ramène-toi à la maison, au toit bleu, près du lac bitumeux. Et ça rime. Le mot de passe, c'est... Mot de passe, à très vite, la guilde des voleurs. Ok. Menef.
J'ai combien? J'ai 1200 balles. Bref. On va attendre d'avoir un peu plus de thunes, même bien quand je suis blindé. Je préfère même. Y'a rien d'autre, hein. On est d'accord. Tout le monde s'est barré. Ok. Verser de Rocherouille. La fête de la ferraille, la fête de la ferraille. Rien n'arrête la fête de la ferraille. Mais vous les reculez, ces saletés vont vous arracher un bras. Bienvenue au désert de Rocherouille, nous sommes le service de sécurité autonome de la fête de la ferraille. Le peuple a réuni tous les gens autour du robot antique pour fêter notre propre décrépiture à notre mortalité. Mais une tripotée de monstres mystérieux a débarqué la nuit derrière après la tempête. Et ils ont recouvert notre robot, pièce maîtresse de notre festival, de cette ignoble substance. Bah je l'ai détérioré notre authentique décrépitude. Le service de sécurité a déjà capturé non pas un, ni même deux, mais trois monstres. Chef, il y en a un qui s'est fait la balle. Bon d'accord, deux monstres. Il n'en reste plus que 498 à choper. Ça en fait un peu. Quoi ? Non, j'y crois pas que j'y go, je peux pas le choper. J'hallucine, ni d'un côté ni de l'autre. Bon. Un peu vert. Ah, bah voilà un petit téléporteur. Donc ça veut dire que si je fais ça, maintenant je peux aller soit à celui-là. Non, je peux pas y aller à celui-là, je l'ai pas activé. Oh, le gnome! J'y crois pas. Bravo, champion! Bon ben, je sais pas, j'essaie de voir. Quand on aura fait toute la map, franchement, avec toutes les petites quêtes annexes, plus les donjons aléatoires qui changent au fur et à mesure du temps, qui s'améliorent. Enfin, qui deviennent plus durs, on va dire plutôt. Parce que qui s'améliorent, qui s'adaptent, hein, on va dire. Bah, ça sera pas mal du tout. Ça sera pas mal du tout. Je sais pas ce qu'embêter de stopper maintenant, mais bon. Attends deux secondes, j'ai besoin de piétiner quelques gueux. Boum. Ça, c'est cool qu'on puisse combiner nos sorts, c'est le top quand même. Et du chocolat. Un autre marchon. Pardon. Ah, chaque fois je me plante. D'accord, ça c'est pour la gemme, donc c'est pas tout de suite. Il y a des coffres partout en dessous en plus. Je viens de voir ça. Ah, ça va être des labyrinthes, elle va falloir passer en rat. Tout à fait, monsieur Lam. Ah, mais ça bloque là, ici, là. D'accord. Un coffre au-dessus. Oups là. Alors, par ici, on n'a rien du tout, non. Ok. Donc, ça va être plutôt par en bas, je pense. Non. Non plus. Il n'y a pas de passage, en fait. Ah, si. Je viens de le trouver. Non, c'est pas là.
ok. C'est plutôt par là. Oh, mon petit con. Bien joué. Ne viens tirer quoi des salauds. Alors t'es qui toi? Oh de la visite, laissez-moi vous dire une chose. La vie est un labyrinthe. On centre uniquement sur sa sortie, vous raterez tous les trésors en chemin. J'aurais pas vu du bé. Ah bah tiens. C'était tellement aimable. Alors comment on fait pour l'avoir sur là? Attends. Du coup c'est par là. Est-ce qu'on peut passer avec le pneu là? Oui. Ah oui. Ça se prend. En effet. Alors... Du coup le passage... Ah d'accord. J'ai compris. Ouais. Des monstres envahissent notre borobo. Vous comprenez pas, nous célébrons tous les ans l'effet de la ferraille autour de lui. C'est un hommage à l'humanité et à la mutanité sous un tas de mutalinaires qui nous rappellent notre propre mortalité. Même des robots peuvent mourir, pardonnez-moi, j'ai une poussière dans l'œil. Eh, on ira voir ça. Mais plus tard. Oh, une maison. Vous avez entendu parler du magicien inventeur? C'est lui qui a créé la centrale de l'étoile du matin à l'époque où le désert était encore une prairie. Un sacré bonhomme, membre de la première gomme, à ce qu'on dit. Je peux casser un truc. Bon, tout est incassable chez toi, bravo. Ah dis donc, j'ai oublié de valider ça moi. Alors, il faut que je fasse. Ok d'accord, d'abord il faut que je rentre par là. On a plein de passages. Oh. Alors là, je vois pas trop comment le récup celui-là. Et ben c'est la fameuse maison. Mot de passe. Mais bon, vous pouvez rentrer. Oula, c'est extraordinaire. Ouais, on t'a réussi à venir. Je suis trop content de te voir. Je t'en dois toujours une pour m'avoir sauvé.
Pareil que le boss veut te causer. Moi aussi, j'ai besoin de te causer. J'ai entendu parler de vous. Vous m'avez l'air d'avoir un certain talent. Alors comme ça, vous cherchez vos étoiles. Ben, si vous les voulez, il va falloir les voler. On nous avait oublié de prendre la guilde des éleveurs pour notre générosité, vous comprenez? Voler les étoiles? Ouais, ok. Mais... Et après, les étoiles, vous l'avez tous vu faire. Et vous savez ce que ça veut dire, hein. La guilde des voleurs a un nouveau membre. Vous faites désormais partie des nôtres. En volant ces étoiles, vous avez décroché le rang de péon inférieur. C'est déjà ça. Mais tonton, ça t'aime mon rang, ça, hein. Bah, si vous espérez décrocher le rang de péon senior, il faudra faire vos preuves, hein. Pendant de montrer vos capacités que sont à la hauteur des attentes de notre guilde, qui sont assez limitées. Ok, nouvelle quête. Vous avez sauvé le frangin sur un, c'est un bon début. Apportez votre aide aux membres et qui en ont besoin, vous aurez peut-être droit à une promotion. Ok, et une autre guilde. Autre mission. Alors, comme ça, tu intégreras notre guilde, on n'a pas franchement besoin de quelqu'un d'aussi malhabile que toi. Il faut qu'il trouve à la hauteur, alors prouve-le. Retrouve-moi sur le chemin champêtre, on verra bien ce que t'as dans le ventre. Ça en fera 4 de plus. Donc si vous voulez l'énergumène qui peut se transformer à bras, pratique comme technique. Ça vous intéresserait de faire équipe pour le prochain braquage, votre capacité de métamorphose pourrait vous être très utile. La cacaire et le mutant ville a récemment reçu une grosse cargaison de dagues flambant neuves. Si on pouvait s'en procurer quelques-unes, ça nous permettrait d'être mieux équipés pour le prochain boulot. Et d'accord, alors trouvez-moi derrière la cacaire et le mutant ville et tâchez de pas vous faire repérer. Ok. Et vous avez remarqué tous les extraterrestres qui traînent dans le coin? Pour être honnête, leurs déguisements sont plutôt réussis. Je suis la seule à les avoir détectés grâce à mon odorat surdéveloppé. D'après la rumeur, un ovni aurait été aperçu du côté des mâles collines inférieures. J'imagine qu'ils viennent de là. Dites, vous voudriez pas y faire un tour pour voir s'ils auraient pas laissé traîner un de leurs déguisements. Je suis sûr que les autres membres de la guilde seraient ravis de mettre la main dessus. Et enfin... Maintenant que t'es là, tu voudrais pas vérifier un truc pour moi. J'ai construit un parcours spécial pour m'entraîner à briser les protections. Puisque j'ai une dette envers toi, je t'autorise à y entrer pour l'essayer. Si t'arrives à le relever tous mes défis, je te filerai une récompense, ça te dit? Ah bah allez, tiens, pourquoi pas. Alors allons-y. Ok, laisse-moi t'expliquer en quoi consiste le défi. Il y a des mannequins protégés qui vont apparaître tout autour de toi dans la pièce. Si t'arrives à les vaincre avant la fin du chrono, c'est gagné. Ok. Avant chaque défi, je te dirai à quelle protection t'auras à faire. Histoire que tu puisses te préparer comme il faut. Ok, donc... il faut prendre lui. En gros, j'ai rien besoin de changer les deux. Vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Pourquoi je peux pas... Ah, c'est le carré, je suis con, putain. Je vais utiliser tout dessus, ok, ça va. Alors...
Donc l'épée, ben je la garde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tac. Ah bah attends, je peux la foutre sur triangle. Voilà, ok. Qui fait de la lumière dans l'histoire. Alors il m'a dit quoi? Épée et marteau, comment je peux rajouter ça moi? Ah si, je peux faire une volée de flèches, d'accord. Ben la volée de flèches, toc toc toc. Ah non, on va plutôt foutre les pieds là. Et la volée de flèches, d'accord. Concentration, Jean-Pierre. J'ai pas été assez rapide. Oh, donc tu... Je crois qu'en escargot ça va être coton. Donc il faut que je change ça. Désolé, je type PPR, on va reprendre. Ah, je peux pas me transformer pour le moment. Voilà, comme ça, ça te va mieux. Ouais, ça ira. Donc alors, il va me falloir de la lumière. J'ai rien pour la lumière. Par les scagouilles. Ah, c'est embêtant. Je suis obligé de prendre l'animas. Comme son nom l'indique, il est mou du genou. On va essayer, mais c'est pas gagné. Hein. En gros, que je me souvienne de tous les trucs. Ok, je pense que ça va. Ah putain, je me plante. Thank you.
J'aurais encore une série à faire derrière. Oh, ça va me gonfler. Bon, une dernière, hein, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Je suis très con. Ouais. J'avais oublié que c'était le lancer de flèche. Oh là là, je suis fatigué. Ouais, c'est bon. Yes. Eh oh. Ouais, c'est mon truc, les épées, c'est trop mainstream. Bah du coup, Ah oui, pardon. Je suppose qu'il faut la valider. Voilà. Ok. Eh bah c'est pas mal tout ça. On a découvert une guilde de voleurs. On va pouvoir voler des trucs. Bah écoutez, on verra ça, mais ce sera sur une prochaine vidéo. Allez, tchuss.